Mais je la fais en trois parties. Disons le bilan de la préparation, d'abord, des choix de tout ce qu'on avait choisi, aussi bien commençant par Genk, Stockholm, et je crois qu'on a fait les bons choix. On a eu une préparation qui s'est passée parfaitement au niveau de la gestion physique et mentale. Et puis il y a le bilan du tournoi, évidemment. 4 victoires. Je crois qu'on a le meilleur parcours qu'on a réalisé au niveau des victoires. Et la première défaite en match officiel depuis 2 ans et demi. Et puis il y a l'avenir immédiat, avec ce que l'on a appris, grandi ici, dans ce tournoi, avec un groupe très jeune, le plus jeune dans les 8 derniers. Donc c'est comme ça que, assez simplement, je dis, bah, finalement, on a été déçus hier, parce qu'on avait l'impression qu'on était passé tout près, face à une grande nation du football, que sont l'Argentine, le Brésil. Et voilà, mais on a appris, on a grandi dans ce match, où tu as l'impression que l'adversaire, finalement, tu peux le prendre, mais finalement, tu perds le match 1-0. Voilà, ça, c'est la vérité du foot. Et c'est sur là-dessus qu'on doit mettre notre base, que notre base est mise pour les prochains. Donc, pour moi, maintenant, c'est qualification pour le championnat d'Europe. Je suis déjà fixé sur ça. C'est déjà l'objectif. Il faut oublier ce qui s'est passé, mais aussi retenir ce qui a été excellent. Donc, on a fait énormément de bonnes choses. Et surtout, en ce qui concerne les supporters, je crois qu'on leur doit beaucoup. On connaît l'engouement, donc on a déjà fixé maintenant au 6 septembre le Fan Day, parce que j'y avais l'habitude un petit peu quand on revenait aussi bien du Japon. On ne sait pas combien de personnes vont être là, on ne s'imaginait pas être éliminé. On a 2 jours, on est éliminé le samedi, on est dimanche, on a 2-3 jours pour organiser quelque chose. Moi je tiens à la sécurité des familles et des enfants. Nous avons écrit une lettre qui était, je crois, très claire et... On veut leur rendre quelque chose, mais il faut que ça soit organisé, très bien fait, et qu'on soit près des gens et près du peuple aussi. Et autre chose que d'aller se mettre dans un bus et de faire signe, je crois que là, on n'a rien. Donc on va organiser quelque chose où on aura un rapport, un contact, les joueurs et le public.